Ashtavakra Gita Chapitre 17 Au-delà de tout. Ashtavakra dit: celui qui est satisfait, les sens purifiés, et qui jouit constamment de la solitude, a gagné le fruit de la connaissance ainsi que le fruit de la pratique du yoga. Celui qui connaît la vérité n'est jamais affligé en ce monde, car c'est à travers lui seul que tout cet univers existe. Aucun de ces sens ne contente un homme qui a trouvé satisfaction dans le soi, tout comme les feuilles du nimba ne satisfont pas l'éléphant qui préfère les feuilles du chalaki. Rare est l'homme qui n'est pas attaché à ce qui lui a procuré du plaisir et qui n'éprouve pas d'avidité pour les expériences qu'il n'a pas encore eues. Ceux qui désirent le plaisir et ceux qui veulent la libération existent tous deux dans le samsara. Mais l'homme de grande âme, qui ne désire ni plaisir ni libération, est vraiment rare. Seul le noble d'esprit est libre de l'attraction ou de la répulsion pour la religion, la richesse, la sensualité, ainsi que la vie et la mort. Il ne ressent ni le désir d'éliminer tout cela, ni de colère lorsque cela continue. Ainsi, l'homme chanceux vit heureux, quels que soient les moyens de subsistance qui se présentent à lui. Ainsi épanoui par cette connaissance, content, le mental dissous, qu'il soit en train de voir, d'écouter, de toucher, de sentir ou de manger, il vit heureux et en harmonie avec ce qui est. Celui pour qui l'océan du samsara s'est évaporé n'est sujet ni à l'attachement, ni à l'aversion. Vide est son regard, sans but est son comportement, et inactifs sont ses sens. Certes, pour l'esprit libéré, l'état suprême est partout. Il n'est ni éveillé, ni endormi, et n'ouvre ni ne ferme les yeux. L'homme libéré est resplendissant partout, libre de tout désir. Partout il apparaît en pleine maîtrise et pur de cœur. L'être noble est vraiment libre, indépendant de la notion d'effort et de non-effort, et ce, en toutes circonstances, qu'il voit, qu'il écoute, qu'il touche, qu'il sente, qu'il mange, qu'il saisisse, qu'il parle ou qu'il se déplace. Où qu'il soit, l'homme libéré est libre des désirs. Il ne blâme pas, ne loue pas, ne se réjouit pas, n'est pas déçu et ne donne ni ne prend. L'être noble vraiment libéré est stable dans le soi,
son esprit n'est pas ébranlé même en voyant une femme au comble de l'état amoureux ou à l'approche imminente de la mort. Rien ne distingue le plaisir de la douleur, l'homme de la femme, le succès de l'échec, pour l'homme sage pour qui tout est égal. Ni agression, ni compassion, ni fierté, ni humilité, ni émerveillement, ni confusion, pour l'homme dont les jours dans le samsara sont terminés. L'être libéré n'a ni haine ni avidité pour les objets des sens. Il a l'esprit détaché et trouve constamment sa joie dans ce qui vient. Qui est établi dans l'état absolu, avec l'esprit vide, ne connaît pas plus les alternatives du calme intérieur et de son manque que celle du bien et du mal. Libre du moi, du mien, du sentiment de la responsabilité, et conscient que rien n'existe, car tous les désirs sont éteints à l'intérieur, l'homme n'agit pas, même dans l'action. Celui dont l'esprit pensant est dissous atteint l'état indescriptible et il est libre du spectacle mental de l'illusion, du rêve et de l'ignorance. Chapitre 18. Le sage. Ashtavakra dit : Que soit loué cela, dont le fait d'en être conscient fait que l'illusion elle-même ressemble à un rêve. Cela, qui est pur bonheur, paix et lumière. On peut ressentir toutes sortes de plaisirs en acquérant divers objets de jouissance, mais on ne peut être heureux qu'en renonçant à tout. Comment peut-il être dans le bonheur, celui qui au-dedans a été consumé par le soleil torride de la douleur causée par la pensée des choses encore à faire et qui ne voit pas tomber la pluie du nectar de la paix? Cette existence n'est qu'imagination. En réalité, elle n'est rien. Mais il n'y a pas de non-être pour les natures qui savent distinguer être et non-être. La nature du soi n'est ni éloignée, ni limitée, elle est déjà acquise. Elle est dépourvue de différences, d'efforts, de modifications ou de colorations. La simple élimination de l'illusion et la reconnaissance de leur nature véritable, ceux dont la vision est parfaite, vivent libres de la douleur. Sachant que tout n'est qu'imagination et se connaissant comme étant éternellement libre, le sage pourrait-il jamais se comporter comme un fou? Sachant qu'il est Dieu, et qu'être et non-être ne sont qu'imagination, que devrait apprendre, dire ou faire
l'homme qui est libéré du désir. Des considérations comme « je suis ceci » ou « je ne suis pas cela » ont pris fin pour le yogi devenu silencieux qui réalise « tout est moi-même ». Pour le yogi qui a trouvé la paix, il n'y a ni distraction ni concentration, ni connaissance plus élevée ou ignorance, ni plaisir ni douleur. Que ce soit le ciel ou la mendicité qui prévaut, le gain ou la perte, la vie parmi les hommes ou dans la forêt, cela ne fait aucune différence pour un yogi dont la nature est d'être libre des distinctions. Pour le yogi libre des opposés comme « j'ai fait ceci et je n'ai pas fait cela », il n'existe aucune obligation religieuse, aucune richesse, sensualité ou discrimination. Pour le yogi libéré de son vivant, rien n'a besoin d'être fait et son cœur est sans attachement. Les choses ne dureront que jusqu'à la fin de la vie. L'illusion, le monde, la méditation sur cela ou la libération n'existent pas aux yeux de la grande âme pacifiée. Tout cela n'appartient qu'au domaine de l'imagination. Celui par qui tout cela est vu peut tout aussi bien distinguer que cela n'existe pas. Mais que peut faire celui qui est sans désir? Même lorsqu'il regarde, il ne voit rien. Celui par qui le suprême Brahma est vu peut penser « je suis Brahma ». Mais que peut bien penser celui qui demeure sans penser et qui ne voit aucune dualité? Celui par qui la distraction intérieure est vue peut y mettre fin, mais qui est noble n'est pas distrait. Quand il n'y a rien à atteindre, qu'y a-t-il à faire? Le sage qui a l'esprit stable va à contre-courant du monde, bien que sa présence à celui-ci paraisse ordinaire. Il ne distingue pas même absorption, distraction et impureté. Le sage est dépourvu du sens de l'existence ou de l'inexistence du monde. Il est comblé et libéré de son passé. Il n'agit pas, même si aux yeux du monde, il semble agir. L'homme sage qui accomplit simplement ce qui se présente à lui ne rencontre pas plus de difficultés dans l'activité que dans l'inactivité. Qui est sans désir, autonome, indépendant et dégagé des liens fonctionne telle une feuille morte, portée de ci, de là, par le vent de la causalité. Celui qui a transcendé le samsara n'est sujet ni à la joie ni à la tristesse. Avec un esprit en paix, il vit comme s'il n'avait pas de corps. Celui dont sa joie est en lui-même
qui est paisible et pur au-dedans, ne désire aucunement le renoncement et ne ressent pas le moindre sentiment de perte. L'homme doté d'un esprit vide naturellement et qui agit comme bon lui semble n'est sujet ni à l'orgueil, ni à la fausse humilité, tout comme l'homme naturel. Cette action a été faite par le corps, mais pas par moi. La personne à la nature pure qui pense ainsi n'agit pas, même lorsqu'elle agit. Qui agit sans pouvoir dire pourquoi n'est pas fou pour autant. Il est libéré de son vivant, heureux et béni. Il est heureux même au beau milieu du samsara. Qui en a assez des considérations sans fin et a atteint la paix, ne pense, ne sait, ne voit, ni n'entend. Qui est à la fois au-delà de l'immobilité silencieuse et de la distraction mentale, ne désire ni la libération, ni son opposé. Reconnaissant tout comme n'étant que des constructions imaginaires, cette grande âme vit comme Dieu, ici et maintenant. Qui ressent de la responsabilité au-dedans agit même lorsqu'il ne fait rien. Il n'existe ni sentiment d'avoir fait ou pas fait, pour l'homme sage libre du sentiment de la responsabilité. L'esprit de l'homme libéré n'est ni excédé ni comblé. Il brille immobile, sans désir, et libéré du doute. Celui dont l'esprit n'entreprend pas de méditer ni d'agir, médite et agit quand même, mais sans objet. En prêtant l'oreille quand on parle de la vérité ultime, celui qui a l'esprit ralenti sombre dans la confusion, tandis que celui qui a l'esprit vif est aspiré à l'intérieur de lui-même à tel point qu'il en paraît extérieurement confus. Les ignorants font un grand effort pour aiguiser leur esprit et arrêter la pensée, tandis que les sages ne voient rien à faire et restent en eux-mêmes comme ceux qui sont endormis. Qu'il agisse ou qu'il abandonne l'action, l'insensé n'atteint pas la cessation, tandis que le sage trouve la paix simplement en connaissant la vérité. Le soi, qui est pur, intelligent, aimant, parfait, au-delà de la manifestation et exempt de mots, les gens obsédés par toutes sortes de pratiques ici-bas ne le connaissent pas. L'ignorant ne parvient pas à la libération, même en pratiquant régulièrement. Alors que l'homme heureux reste libre et sans action, simplement par la compréhension. L'ignorant n'atteint pas la divinité parce qu'il le veut, alors que le sage jouit de la divinité suprême sans même le vouloir. L'ignorant qui manque de base et qui a de l'avidité pour l'acquisition
encourage par là même ses tendances inférieures. Le sage tranche en profondeur les racines de toute cette absurdité. L'ignorant ne trouve pas la paix parce qu'il la désire, alors que l'homme sage qui discerne la vérité a toujours l'esprit en paix. Comment y aurait-il connaissance de soi pour celui dont la connaissance dépend de ce qu'il voit? Les sages ne voient pas ceci ou cela, mais se voient eux-mêmes en tant que l'infini. Comment y aurait-il cessation de la pensée pour les égarés qui s'y efforcent? Pourtant, cet état est toujours là naturellement pour l'homme sage se délectant de lui-même. Certains pensent qu'il existe quelque chose, et d'autres que rien n'existe. Rare est l'homme qui ne pense ni l'un ni l'autre, et est ainsi libre de la distraction. Ceux qui n'ont pas eu une intuition juste s'astreignent à méditer sur le soi comme étant pur et sans second. Mais ils n'ont pas la connaissance. Ils errent dans l'illusion et de toute leur vie, ils n'arriveront pas au silence du mental. L'esprit de l'homme qui recherche la libération ne peut trouver de repos au-dedans. Mais l'esprit de l'homme libéré est constamment dégagé du désir, du fait même qu'il ne possède aucun lieu de repos. Les ignorants sont pris de panique en voyant ce tigre que sont les objets des sens et vont chercher refuge immédiatement à l'intérieur d'une grotte en espérant y trouver la concentration et le contrôle du mental. Par contre, ces mêmes objets des sens deviennent comme des éléphants qui se calment à la simple vue de ce lion qu'est l'être libéré des souvenirs du passé. Il s'enfuit devant lui, et ceux qui ne peuvent le faire le servent en le flattant comme des courtisans. L'homme libéré des doutes et dont l'esprit est libre ne se préoccupe pas des moyens d'atteindre la libération. Il vit heureux avec ce qui vient, qu'il regarde, qu'il écoute, qu'il touche, qu'il sente ou qu'il mange. Celui dont l'esprit est pur et non distrait, en entendant simplement la vérité, ne voit rien à faire, rien à éviter, ou même de quoi être indifférent. La personne honnête accomplit ce qui doit l'être, bon ou mauvais, car ses actes sont comme ceux d'un enfant. Par la liberté intérieure, on atteint le bonheur. Par la liberté intérieure, on atteint le suprême. Par la liberté intérieure, on parvient à l'absence de pensée. Par la liberté intérieure vient l'état ultime. Lorsqu'on se voit soi-même ni comme l'auteur, ni comme celui qui récolte les conséquences, toutes les vagues mentales prennent fin. Le comportement, spontanément modeste des sages, est remarquable, mais pas le calme délibéré de l'ignorant, dont le mental est plein de désirs
et dont la paix est artificielle. Les sages débarrassés de l'imagination, non liés et pourvus d'une conscience sans entrave, peuvent tout autant s'amuser au milieu de nombreux biens que partir pour des grottes de montagne. Le cœur d'un homme sage est sans attachement, qu'il voit un brahman érudit, un être céleste, un lieu saint, une femme, un roi, un ami, ou qu'il leur rende hommage. Un yogi n'est jamais contrarié, même lorsqu'il est humilié par les railleries des serviteurs, des fils, des épouses, des petits-enfants ou d'autres membres de la famille. Même lorsqu'il est satisfait, il n'est pas satisfait. Il ne souffre pas alors qu'il est dans la douleur. Seuls ceux qui sont comme lui peuvent connaître l'état merveilleux d'un tel homme. Le samsara, c'est de ressentir la nécessité d'exécuter ou d'accomplir quelque chose. Les sages dont la forme est celle de la vacuité, dont l'apparence est sans forme, qui sont immuables et immaculés, ne ressentent rien de la sorte. Même alors qu'il ne fait rien, l'ignorant est troublé par l'agitation, alors qu'un homme adroit demeure impassible même en faisant ce qu'il y a à faire. Debout, il est heureux. Assis, il est heureux. Endormi, il est heureux. Et heureux, il va et vient. Heureux, il parle. Heureux, il mange. C'est la vie de l'homme en paix. En s'appuyant sur sa vraie nature, il ne se trouble pas même s'il a un comportement comme les gens ordinaires. Il resplendit comme un vaste lac, dépourvu même de vaguelettes. Il a dépassé la souffrance. Chez l'ignorant, même s'abstenir d'agir aura l'effet d'une action, alors que même l'action de l'homme sage amène les fruits de l'inaction. L'ignorant fait souvent preuve d'aversion pour les biens matériels, mais celui dont l'attachement au corps s'est évanoui n'est sujet ni à l'attachement ni à l'aversion. Le mental de l'ignorant est constamment occupé par la pensée ou par le fait de ne pas penser. Mais celui de l'homme sage possède la nature de la non-pensée, car il pense à ce qui est approprié. Le voyant qui se comporte comme un enfant, c'est-à-dire sans désir dans toute action, n'est sujet à aucun attachement de par sa pureté, même dans le travail qu'il accomplit. Béni soit celui qui se connaît et qui demeure identique dans tous les états, dont l'esprit est libéré du désir ardent qu'il soit en train de voir, d'entendre, de ressentir, de sentir ou de goûter. Il n'existe personne qui soit soumis au samsara. Il n'existe pas plus de sentiment d'individualité, de but ou de moyen de l'atteindre aux yeux de l'homme sage
qui est constamment dégagé de l'imagination et immuable comme l'espace. Glorieux est celui qui a abandonné tous les buts et qui est l'incarnation de la satisfaction, sa nature même, et dont la concentration intérieure sur l'inconditionné est tout à fait spontanée. En bref, l'homme de grande âme qui est parvenu à connaître la vérité ne ressent pas plus de désir pour le plaisir que pour la libération, et il est toujours dégagé de l'attachement, où qu'il soit. Que reste-t-il à exécuter pour l'homme qui est pure conscience et qui a abandonné tout ce qu'il est possible d'exprimer en mots, du ciel le plus haut à la terre même? Le sage est persuadé que tout ce monde est illusoire, qu'il n'y a rien. Il est l'expression fulgurante du mystère. Il jouit d'une paix qui ne provient que de sa vraie nature. Il n'existe ni règle, ni sérénité, ni renonciation, ni méditation pour celui qui est pure réceptivité par nature et qui n'admet aucune être-té connaissable dans la moindre forme. Celui qui brille de l'éclat de l'infini et qui n'est pas soumis à la causalité naturelle ne connaît ni servitude, ni libération, ni plaisir, ni douleur. La pure illusion règne dans le samsara, lequel se poursuivra jusqu'à la réalisation du soi. Mais l'homme éveillé vit dans la beauté, car il est dégagé du moi et du mien, du sentiment de responsabilité et de tout attachement. Le sage qui se sait impérissable et au-delà de la douleur n'est pas soumise à la connaissance, au monde, au sentiment d'être le corps ou que le corps lui appartient. À l'instant même où celui qui a l'esprit léthargique sacrifie le travail du contrôle de soi, il est emporté par les désirs et le bavardage du mental. Même en écoutant la vérité, un ignorant ne se débarrasse pas de son ignorance pour autant. Il peut sembler extérieurement dégager des imaginations, mais au-dedans, il désire ardemment les perceptions sensorielles. Bien qu'il soit actif aux yeux du monde, l'homme qui s'est défait de l'action par la connaissance ne trouve nul moyen de faire ou de dire quoi que ce soit. Pour l'homme sage qui est constamment immuable et sans peur, il n'existe ni ténèbres, ni lumière, ni destruction, ni rien. Ni l'héroïsme, ni la prudence, ni le courage n'existent pour le yogi, dont la nature est au-delà de toute description et libre de l'individualité. Il n'existe ni paradis, ni enfer, ni même de libération dans la vie. En un mot, aux yeux du sage, rien n'existe du tout. Il ne désire pas plus les possessions, qui
qu'ils ne se lamentent de leur absence. L'esprit calme du sage est rempli du nectar de l'immortalité. L'homme serein ne loue pas plus les bons qu'il ne blâme les méchants. Satisfait et égal face à la douleur et au plaisir, il ne voit rien à faire. Le sage à l'esprit stable n'a pas de haine pour le monde et n'a pas non plus le désir impérieux de voir le soi. Il s'est libéré de la réjouissance et de la dépression. Il n'est ni mort ni vivant. Sans attachement pour ses fils ou sa femme, sans désir pour les objets des sens, sans souci ni identification à son corps, le sage resplendit. Le sage, qui vit de ce qui se présente à lui, qui va où bon lui semble et qui dort ou que le soleil se couche à ce moment, est en paix partout. Que son corps se lève ou s'effondre, la grande âme n'y pense même pas, car il a tout oublié du samsara en se reposant sur le soi de sa nature véritable. Le sage évolue dans la joie. Solitaire, il se déplace selon son bon plaisir, ne possède rien. Il est au-delà des contraires. Il a tranché tous ses doutes et il n'a pas d'attachement à quoi que ce soit. Le sage excelle dans le fait d'être sans sentiment de moi. La terre, une pierre ou de l'or sont tous pareils à ses yeux. Les nœuds de son cœur ont été entièrement défaits et il est libéré de la cupidité et de l'aveuglement. Qui peut se comparer à cette âme comblée, libérée, qui ne tient compte de rien et n'a plus aucun désir dans son cœur? Qui d'autre que l'homme juste et sans désir, connaît sans connaître, voit sans voir et parle sans parler? Qu'il soit mendiant ou roi, il resplendit celui qui est dénué de désir. Son intelligence est immergée à un niveau où les objets ne sont plus perçus à travers le filtre des notions de bien ou de mal. Le sage qui a atteint le but et qui est l'incarnation même de la sincérité innocente n'est pas plus sujet à la débauche ou à la vertu qu'à la discrimination de la vérité. Cela qui est vécu au-dedans par celui qui est sans désir, libre de l'affliction et heureux de se reposer en lui-même, comment le décrire et à qui ? L'homme de sagesse, satisfait quelles que soient les circonstances, n'est ni endormi, même pendant le sommeil profond, ni endormi au cours d'un rêve, ni éveillé lorsqu'il est réveillé. Le voyant est sans pensée même lorsqu'il pense, sans les sens, au beau milieu des perceptions. Sans compréhension, alors qu'il comprend, et dénué du sentiment de la responsabilité, même en présence de l'ego. Ni heureux.
heureux ni malheureux, ni détaché ni lié, ni cherchant la libération ni libéré, il n'est ni quelque chose ni rien. Pas distrait dans la distraction, pas en équilibre dans l'immobilité mentale silencieuse, pas stupide dans la stupidité. Cet être béni ne fait même pas preuve de sagesse dans la sagesse. L'homme libéré est maître de lui-même en toutes circonstances, est libre de l'idée du faire et du reste à faire. Il est le même où qu'il soit, et il est sans cupidité. Il ne s'attarde pas sur ce qu'il a fait ou n'a pas fait. L'éloge ne le remplit pas de bonheur, tout comme le blâme ne le dérange pas. Il n'a pas plus peur de la mort qu'il n'est attaché à la vie. Un homme en paix ne se précipite pas vers les lieux prisés ou vers la forêt. Quelles que soient les circonstances et où qu'il se trouve, il reste le même. Chapitre 19. Le repos dans le soi. Janaka dit : j'ai extrait des tréfonds de mon cœur ces flèches que sont les opinions et les conceptions variées, avec cette pince qu'est la connaissance de la vérité. Pour moi qui suis établi dans ma propre gloire, ni les obligations religieuses, ni la sensualité, ni les possessions, ni la philosophie, ni la dualité, ni même la non-dualité n'existent. Pour moi, qui suis établi dans ma propre gloire, n'existe ni passé, ni futur, ni présent. Il n'y a pas d'espace, ni même d'éternité. Pour moi, qui suis établi dans ma propre gloire, n'existe ni soi, ni non-soi, ni bon, ni mauvais, ni pensée, ni même absence de pensée. Pour moi, qui suis établi dans ma propre gloire, n'existe ni rêve, ni sommeil profond, pas de veille, ni de quatrième état au-delà. Et assurément, aucune peur. Pour moi qui suis établi dans ma propre gloire, loin ou près, il n'y a rien. Dedans ou dehors, il n'y a rien. Grand ou petit, rien ne l'est. Pour moi, qui suis établi dans ma propre gloire, n'existe ni vie, ni mort, pas de monde, ni de choses du monde, pas de distraction, ni de silence de l'esprit. Pour moi qui demeure en moi-même, il n'est pas nécessaire de parler des trois buts de la vie, du yoga ou de la connaissance. Chapitre 20. Transcendance. Janaka dit : dans ma nature immaculée ne se trouve ni élément, ni corps, ni faculté, ni mental. Il n'y a ni vacuité, ni désespoir. Pour moi qui suis libéré du sentiment du dualisme, n'existe ni écriture, ni connaissance de soi, ni esprit libre d'un objet, ni satisfaction,
et pas de libération du désir. Il n'y a pas de connaissance ni d'ignorance. Aucun moi, ceci ou mien. Pas d'asservissement, pas de libération et aucune appartenance de la nature soi. Pour qui est toujours libre des caractéristiques individuelles, jamais une action causale antécédente ne s'est produite. Aucune libération ne survient au cours d'une vie, ni d'accomplissement lors de la mort. Pour moi qui suis libre de l'individualité, il n'est point d'acteur, ni celui qui récolte les conséquences, aucune cessation de l'action, ni d'émergence de la pensée, aucun objet immédiat, et pas la moindre idée de résultat. Pas de monde, pas de chercheur de libération, pas de yogi, pas de voyant, pas d'être lié, pas d'être libéré. Je demeure dans ma propre nature, non duel. Il ne se produit ni émanation, ni retour, pas de but, de moyen, de chercheur ni d'accomplissement. Je demeure dans ma propre nature, non duel. Pour moi qui suis à jamais sans tâche, n'existe ni expert ni standard, rien à évaluer ou à juger, et aucune évaluation ni jugement. Pour moi qui suis constamment sans action, il n'y a pas de distraction ni de concentration, aucun manque de compréhension, aucune ignorance, aucune joie ni tristesse. Pour moi qui suis toujours dégagé des délibérations, il n'existe ni vérité conventionnelle, ni vérité absolue, ni bonheur, ni chagrin. Pour moi qui suis à jamais pur, il n'y a pas d'illusion, pas de samsara, pas d'attachement ni de détachement, pas d'organisme vivant et pas de Dieu. Pour moi qui suis à jamais immobile et indivisible, établi en moi-même, l'activité n'existe pas plus que l'inactivité et la libération pas plus que l'asservissement. Pour moi qui suis béni et sans limite, n'existe ni initiation ni écriture, ni disciple ni maître, et aucun but dans la vie humaine. L'être et le non-être n'existent pas plus que l'unité et le dualisme. Qu'y a-t-il de plus à dire ? Il n'y a rien en dehors de moi.